désir de Dieu. Les fils de Dieu manifestés. Ujumbe unaoitwa wana wa Mungu wa liozirika. Amen. Mtajo wa 111. Sasa, qu'est-ce que l'adoption? Kufanywa mwana mwenye mamlaka ni nini? Maintenant je vais prendre ce point-ci là. Sasa nitatoa point ile. Je ne dis pas si. Je n'aurai pas le temps de voir ça en entier. Sina muda wa kuiona yote. Mais je vais voir les grandes lignes. Bali nitaona ma yale ma yaliyo makubwa. Alors, sasa, s'il y a une question, ikiwa kuna swali, vous pourrez me la poser un peu plus tard. Mutaweza iniuliza baadaye. Au cours des messages quelque chose. Au jumbe fupi kama kitu kingine. Écoutez. Sikia. Écoutez. Sikieni. Votre adoption. Kukabidhiwa mamlaka. Ce n'est pas votre naissance. Haiko wakati unapozaliwa. Non. Amen, amen. Kufanywa mamlaka yako. Votre adoption. Haiko njo sa unazaliwa mara ya pili. Ce n'est pas lorsque vous avez la nouvelle naissance. Non. Jean 1, 17, je crois. Quand nous naissons de l'Esprit de Dieu, Yohane moja, nazani, wakati tunapozaliwa na Roho Mungu, nous sommes des fils de Dieu. Sisi ni wana wa Mungu. Mais lakini, nous avons été prédestinés. Tuli andaliwa katangwa wali. Et voici ce à quoi j'essaie de vous amener. Ona sasa kwenye najaribu kuwafikisha. Vous, ninyi, les fils de Dieu de ces derniers jours. Wana wa Mungu wa siku hizi za mwisho. Vous voyez? Je, mnaona? Nous avons été prédestinés à arriver à l'adoption. Tuli andaliwa tangu awali ili tufikie kufanywa wana wenye mamlaka. Tuli andaliwaka. Nous avons été prédestinés. Tangu zamani. Depuis la prédestination. Kusema tufikiake wapi? Pour que nous puissions arriver où? Pale par. Là à la glorification. Pale njo tuliandaliwaka. C'est par là où nous étions prédestinés. Unatoka mwa hii kanisa uyafikaka pale ulizaliwa morne. Tu quittes de cette église sans arriver là à ce niveau, donc tu sors morne. Nasema. Je dis. Unatoka mwa hii kanisa. Si tu quittes dans cette église. Kuyake kufa. Pour que tu viennes mourir. Ou si Jésus le donne. N'ayant pas encore atteint ce niveau. Sawa mimba yenye litokaka. Spirituellement, tu es comme un avorton. Hakuna chenye ulifaliaka Mungu. Il n'y a rien à quoi tu as servi Dieu. Ni mtoto alizaliwa akakufa na haya falia bazazi kitu. C'est un enfant qui est né mais qui n'a rien servi aux parents. Amen, amen. Tulizaliwa. Nous étions nés. Wala kimwili ili tufikie wapi? Spirituellement, charnellement pour que nous puissions atteindre où? Pale pale pale. Ce niveau ici d'adoption. Paragraphe 115. Tajwa 115. Bon, maintenant nous y sommes. Sasa tuko pale. Or, voici ce qui froisse un peu le pentecôtiste. Ona kinachofanya wa pentecôte kwa baridi. Kenye kinabatiaka baridi. Ils disent. Wanasema. Je suis né de nouveau. Nilizaliwa mara pili. Gloire à Dieu. Mungu asifiwe. J'ai reçu le Saint-Esprit. Nilipokea Roho Mtakatifu. Très bien. Vema. Vous êtes un enfant de Dieu. Uko mwana wa Mungu. Ungali petit. Tu es encore un enfant de Dieu. Kianga jivuna. Nashukuru Mungu. Pedro, je rends gloire à Dieu. Je suis né de nouveau. Nishapata Roho Mtakatifu. J'ai déjà reçu le Saint-Esprit. Ndio. Oui. Ungali mtoto. Ungali petit. Mais tu es encore un enfant. Ça veut dire que celui qui a le Saint-Esprit, petit, c'est encore un enfant. Amen. Et le Saint-Esprit que tu n'as même pas encore reçu. Amen, amen. Ni mufupa. C'est l'os. Parce que Paul dit, la nourriture est dure. Ce n'est plus le lait pour les enfants. Haiko biberon. Ce n'est plus le biberon. C'est que même celui qui a le Saint-Esprit, petit joueur. Il devient un petit joueur. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit et les autres quand ils le voient, ce petit doit d'abord grandir. Et les cieux disent, donnez à cet enfant le temps pour voir comment est-ce qu'il va aussi grandir. Maintenant toi même l'esprit tu ne l'as pas encore reçu. Est-ce que tu es encore une grossesse ou tu es juste l'air? Amen, amen, amen. Mufupa. Los. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes ici?
Ça, c'est un sujet très dur. Même les prédicateurs. Même. Et ceux qui sont à ce niveau, ils sont en train de voir les pasteurs comme un petit. Amen. Il y a des niveaux dont tu souhaites arriver. Na fika, et quand tu les atteins, et on amen, te montre encore que tu es encore un enfant. Et celui qui n'est pas encore arrivé à ce niveau. Vous avez encore besoin qu'on vous donne le lait. Qu'on vous dise ne prenez pas l'alcool. Qu'on vous dise ne vous donnez pas dessus. Ne volez pas. Ça, ce sont vraiment les laits des biberons. Vous devriez être des maîtres. Les gens avec des biceps spirituels. Donc quand on vous donne la nourriture, quelqu'un croque les os et il suce même les moelles épinières qui est dans l'épinière. Et tu donnes à l'autre. Et quand il met aussi ses dents, il manque même quelque chose à coquer là-dessus. Amen. Ça, ce n'est pas une prédication à donner aux gens qui sont en train encore de voler. Ce n'est pas à donner aux gens qui sont au niveau de l'impudicité. C'est la prédication qui est au-dessus du Saint-Esprit. Maintenant, je dois manquer à prêcher cela. J'ai les gens ici qui ont avancé spirituellement. Oui. Amen. Vous voulez que je ne puisse pas vous montrer là où nous devons atteindre parce qu'il y a encore les faibles parmi nous? Non, non. Papa, quand il enfante les enfants, mais on est en train encore de l'apprendre ABCD dans la même maison. Et il y a l'autre qui se réveille dans la même maison dont on apprend XY au carré. Dans la même maison, il y a l'autre dont à qui on est en train d'apprendre les statistiques. Dans la même maison. Et il y a l'autre dont on est en train d'apprendre comment calculer les angles quand il est en train de naviguer dans l'espace. Tous sont des enfants. D'un seul père. Mais le niveau n'est pas le même. C'est vrai, c'est vrai. Amen. Amina, amina. Amen. Amina. Tous sont des enfants. Ndio wote ni watoto. Mais lakini, il faut bafundishwe, devrait être enseigné pour qu'il soit des hommes. Nataka hili kanisa, je veux que cette église déjà adopté, puisse avoir les gens adoptés na benye habayafika baende mbele, et ceux qui ne sont pas encore arrivés qu'ils avancent. Na benye banisha sikia bako banakomala basirudie nyuma. Et ceux qui sont des gens convaincus qui sont en train d'avancer qu'ils ne reculent plus. Amen. Vous devez savoir, vous avez été prédestiné d'arriver à quoi? Muna paswa jua muli andaliwa kufikia nini? Naiba saidie. Et que cela vous aide. Itaba saidie kutokuwa muna cheza pia na benzene. Cela vous aidera de ne pas jouer avec les autres. Hey. Toi, tu veux seulement voir parce que c'est une sœur en Christ. Tu ne sais pas quand est-ce qu'il a commencé, qu'est-ce qu'il a déjà traversé, comment est-ce qu'elle a grandi. Toi, tu t'habitues à elle et tu seras frappé sans le savoir. Amen, amen. 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 Ils disent. Wanasema. Je suis né de nouveau. Nilizaliwa mara pili. Mungu asifiwe. J'ai reçu le Saint-Esprit. Nilishapokea Roho Mtakatifu. Très bien. Vema. Vous êtes un enfant de Dieu. Wewe uko mtoto wa Mungu. C'est exact. Ni kweli. Seulement. Ila tu. Ce n'est pas de ça ce que je parle. Si ongelee jambo hili. Haiko vile njo mimi niko nasema. Ce n'est pas de ça que je parle. Kupata Saint-Esprit. De recevoir le Saint-Esprit. Oui, tu es encore un enfant. Ça va. Ouais. Mais haiko ile niveau yako njo niko nasema. Mais ce n'est pas ton niveau là je suis en train de parler. Vous voyez. Je m'naona. Vous avez été prédestiné à être adopté. Muli andaliweka tangu zamani ili mupewe mamlaka. L'adoption. Kufanywa mwana mwenye mamlaka. C'est de donner la place d'un fils. Ni kupatia mwana nafasi yake. Bon, pour le Saint-Esprit, ce n'est pas ce que je suis en train de parler. Ce n'est pas ça. Ça, c'est pour les enfants. Amina.
Il y a un verset très lourd. Attendez, je vais vous le donner. C'est dans Galates 4:1. Aussi longtemps que l'héritier est enfant. Wakati yote murizi angali mtoto. Je dis qu'il ne diffère rien d'un esclave. Nasema kwamba hatofautiane na mtumwa mfanyakazi. Quoi qu'il soit le maître de tout. Hata kama yeye ndiye mwenye vyote. Mais lakini, il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le père. Iko chini ya walezi na walimu hadi atakapofikia kiwango cha kuitwa na baba. Mtoto, un enfant. Mdogo, un petit Dio, enfant. Même si vyote ni vya mwabo. Même si tout de leur maison. Mikono asibiguse. On est en train de le frapper encore sur les mains pour qu'il ne touche pas ces choses. Si jusqu'à ce qu'il sera un grand garçon, on lui donne. Oui, oui. Benjamin. J'ai Benjamin chez moi. Contact, mais je ne peux pas lui donner le contact de la voiture. Même si, même si c'est leur véhicule. Mais je ne peux pas lui donner la clé de la voiture. Et s'il montait et allumait cela, je vais le frapper. Oui, oui. Damupiga. Je vais le frapper. Pourquoi? Il est en train de se mettre sur le chose dont il n'est pas encore atteint. Et s'il tenait sur moi, me disait c'est un autre. Je vais lui dire tu n'as pas encore atteint l'âge. L'enfant, même s'il peut être héritier, il n'est pas différent de celui dont ces choses n'appartiennent pas. Il est chez lui comme si ces choses ne lui appartiennent pas. Il doit être enseigné, qu'il soit gardé, qu'on l'enseigne jusqu'à un âge où le père dira, maintenant je peux lui donner le véhicule, je peux lui donner l'argent, je peux lui donner la responsabilité. Alors qu'il était mtoto. Et pourtant il était encore un enfant. Amen, amen. Oui, oui. Donc il y a un niveau où Dieu ne peut pas te donner la gestion de ces choses. Oui, oui. Si il te met dans l'adoption, celui qui t'injurie, tu dis meurs. Celui qui te trouble un peu, tu dis je t'ai maudit. Celui qui te trouble, tu dis et que je ne te vois plus. Tu vas exterminer les gens. Oui, oui. Amen, amen, amen. Tu vas exterminer les gens. Pourquoi? Tu n'as pas encore l'intelligence de gérer les émotions et même les épreuves. Amina. Ça, c'est vrai. Oui, oui. Mais cela n'exclut pas que tu ne sois pas un enfant. Mais si tu n'es pas encore arrivé où le papa peut dire quand même, je peux dire qu'il parte maintenant retirer l'argent à la banque. Celui qui n'a pas encore grandi, est-ce que tu peux l'envoyer à la banque? $200. Et qu'il retire $200. Il va aller chercher le shawarma. C'est un enfant. Amen. 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 Alléluia. Amen, amen. Goya kidogo. Natakanisa lisikie mzuri. Je veux que l'église comprenne très bien. Sababu, parce que kama banaelewa hiki, si vous comprenez cette chose, mutapewa neema ya kusonga mbele na munayua tunapashwa enda wapi, tunapashwa fanya nini. Vous aurez la grâce d'avancer, de savoir d'où nous venons et d'où nous allons. Pole pole. Lentement. Kuko kwenye niko na winda. C'est là, il y a quelque part où je cherche. Unataka pafika. Je vais bientôt y arriver.